Alors, coucou tout le monde, je viens faire les horoscopes. Donc, je vais commencer par les poissons, d'accord? Donc, j'ai pris ce jeu, les anges divinatoires. Donc, vous savez que dans ce jeu, il y a quatre anges. Il y a Uriel, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michael. Donc, on va demander déjà à l'archange Uriel qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les poissons pour le mois de décembre 2021. S'il vous plaît, poisson, décembre 2021, Uriel. Alors, celle-ci, elle voulait venir. On vous parle de découverte. Voilà, la découverte. L'archange Raphaël, s'il vous plaît, la justice. On vous parle de justice. Donc, pour les poissons, hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît. L'unité. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'être seul pour réfléchir, d'accord? Pour faire des recherches, pour aller à la découverte de quelque chose. Voilà. Archange Michael, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de décembre. Oh là là! Alors là, il vous en sort beaucoup. Alors, vous allez, enfin, voilà, vous allez, on va certainement demander votre présence, vos conseils, d'accord? Et on a la carte de la charité. Donc ici, on va vous demander d'être présent, d'accord? D'aider les autres, hein, de les conseiller, oui, de les diriger, d'accord? Dans le bon chemin, hein? Parce que vous avez vu, il y a des choses qui vont être découvertes, d'accord? Vous, par la justice, hein, voilà, par la justice. Vous allez avoir besoin de moments seuls pour reprendre des forces, hein, voilà. Et puis ici, ben voilà, après vous allez être au taquet, hein. Vous allez pouvoir conseiller les personnes, voilà, pour aller dans leur bon chemin. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on a fait, c'est que, ben, on a oublié, je voulais aussi vous faire comme ça. Voilà, comme les tirages qu'on fait, qui sont de bons conseils. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les poissons, le signe poisson pour le mois de décembre? Alors, on vous dit d'être dans le pardon, de pardonner. D'accord? Il faudra y penser. Il faudra pardonner. Excusez-moi, je suis malade. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre. Alors, on va regarder. Je vais sortir 5 comme ça et 5 des anges dessus, d'accord? Alors, on vous parle des astres, le mystère. Alors, on va les sortir, puis on va faire le truc après. Ok? Voilà. Et voilà. Alors, ici, vous avez les astres. Donc, le mystère, les intrigues, les sociétés secrètes. Il y a des choses qui vous intriguent. Ici, vous avez le 3 de denier. Donc, médiocrité, frivolité, paresse. Bon, vous allez avoir envie de rien du tout. D'où, tout à l'heure, on a vu l'unité. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de repos pour bien voir ce qui se passe. On a le jugement. Donc, sentence défavorable. Trouble psychique, jugement erroné. Donc faites attention de ne pas juger les autres. D'accord? Si vous devez être jugé au mois de décembre, c'est peut-être pas la bonne période. Le roi de denier, on a l'industriel, le banquier, le commerce et l'homme brun. Bon, peut-être un petit peu de problème de finances. Et on a le 6 de coupe, donc il faut prévoir pour le futur, d'accord? Prévoir pour un nouvel horizon,
Donc, quelque chose qui va se préparer pour vous. Mais attention, ici, moi, je vois qu'il va falloir faire attention à vos finances. D'accord? Ou peut-être que vous aurez envie de moins travailler au mois de décembre. Et si vous pouvez, c'est peut-être pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, les poissons, on a le chariot. Autodiscipline et volonté, d'accord? Et le 4 d'air, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Vous voyez, je vous ai dit, hein? D'accord? Bon, faites attention et faites attention de ne pas trop donner non plus. Alors, allez, on va recouvrir avec une carte du tarot des anges. Alors, celle-là, elle voulait venir aussi, on va la prendre. Alors, on a sur les astres, on a le chariot. Encore, hein, autodiscipline et volonté. Donc, sur le mystère, hein, attention, d'accord? Bon. Faites bien attention. Il y a quelque chose qui va se réaliser sur un mystère. Bon. Après, c'est peut-être bon, hein. Après, c'est peut-être, vous voyez, peut-être des gens aussi qui ont perdu leur emploi. Donc, bon, reconnaissance et éloge. 3 de denier. Médiocrité, frivolité, paresse. Dessus, on a le 4 de terre. Exactement pareil. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. D'accord? Faites attention si vous devez prendre des décisions en affaires. On vous dit de faire attention. Ensuite, on a sur le jugement, on a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. D'accord ? Donc, pas de précipitation. Sur le roi de denier, l'industriel, le banquier, le commerce, on a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous voyez, moi, je pense que, bon, il faut reprendre sa vie en main, d'accord? Pour être reconnu dans votre travail. Mais attention à l'argent. Faites attention de ne pas dépenser inutilement. Et si vous avez des décisions à prendre, on vous dit de le prendre gentiment, d'être patient, d'accord? De pas attacher la charrue avant les bœufs. Alors, ici, sur le 6 de coupe, sur le futur, on a le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Et on a la reine d'air, excusez-moi. Donc là, il y a vraiment des décisions à prendre, d'accord? Se débarrasser de ce qui ne sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc, si c'est un petit problème d'argent au mois de décembre et tout ça, il faut prendre ça à la rigolade, tout en faisant attention, d'accord? Il faut quand même avoir un œil sur vos finances. Ça ne sert à rien de vouloir dépenser à tort à travers, d'accord? Et puis, au mois de décembre, vous pouvez aussi vous consacrer à des projets positifs, d'accord, pour l'avenir. Donc, peut-être qu'au mois de décembre, il va peut-être y avoir un petit problème d'argent, donc une perte d'emploi ou un truc comme ça, d'accord? Prenez ça à la rigolade, dites-vous bah, que voilà, ça va vous faire un peu de vacances, d'où aussi l'unité hein, tout à l'heure, voilà, que ça va vous amener à réfléchir pour votre avenir. Ok? Voilà, donc vous pouvez passer à autre chose, d'accord? Vous pouvez vous ouvrir à d'autres projets qui seront plus
positif pour vous. Alors, on va demander aux anges gardiens pour les poissons, s'il vous plaît. Les poissons, s'il vous plaît. Alors, les poissons, s'il vous plaît. Alors, ils ne veulent rien dire pour les poissons. Ben, on va faire une coupe. Prête attention aux synchronicités et regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te répondrai pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Et vous voyez, on vous dit de prêter attention aux synchronicités. Votre ange gardien aimerait vous répondre clairement et vous faire comprendre des réponses verbalement, mais c'est impossible. Peut-être que vous ne méditez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Vous voyez, là, ici, on vous parle bien de vous consacrer à des projets. Si vous avez besoin de réponses, demandez à vos anges gardiens de vous faire un signe. Voilà, ok? Donc voilà pour les poissons. Donc je continue.